Ouais, la cité. Go bicycle, tim tim tim, go bicycle. Yo, go bicycle, tim tim tim, go bicycle. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'espère déjà que ça va. J'espère que tout se passe bien et tout. Moi, ça va pas trop. Je suis allergique aux plaines. Les filles, je suis en train de souffrir. Mais ça, c'est rien. Tout ça parce que hein, on est en train de souffrir quand on n'a pas filmé. J'ai filmé aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Mais donc aujourd'hui, c'est une vidéo où je goûte les aliments que je n'aime pas. J'ai vu cette vidéo de Joanne Papp. J'ai trop aimé. Il fallait trop que je la fasse. Parce qu'il y a des trucs que j'aime pas et que tout le monde aime. Mais je comprends pas comment vous pouvez aimer. Et apparemment, nos goûts peuvent changer. Donc j'espère pour moi que mes goûts changeront. Parce que c'est vraiment, j'ai pris plein de trucs que j'aime pas. De toute façon, vous allez voir durant la vidéo. Mais cette vidéo est sponsorisée par Beyond Body Perfect Body. Ils m'ont envoyé un livre personnalisé, Keshia. Donc je vous explique. Étant donné que je mange, je vous explique. Le régime, les gars. T'as vu, c'est bientôt l'été. C'est l'été. Hein, je pars en vacances. Je dois maigrir. C'est bon ou pas? Et ils tombent à pic. Ils m'ont envoyé un livre personnalisé. Regardez, il y a le Keshia là. J'aime trop. Alors, je vous explique, c'est un livre de bien-être pour faire des régimes, pour faire du sport. C'est trop bien. Sur le site, vous sélectionnez votre poids. C'est vraiment personnalisé. Hein. C'est votre poids, la taille que vous faites, ce que vous aimez, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un programme sur un mois de ce que je dois manger avec tous les aliments que j'aime, matin, midi, soir. Donc en fait sur le site, tu les sélectionnes ce que tu aimes, c'est-à-dire si toi t'aimes pas la viande. Moi par exemple je déteste la viande rouge, donc j'ai dit que je mangeais pas de viande rouge, tu vois, mais que je mangeais de la viande blanche. Donc ils m'ont fait quelque chose où je ne mange pas de viande rouge, où il y a des aliments que je n'aime pas, que vous allez trouver dans cette vidéo. Je dis que je ne mange pas ça. Pour les gens qui sont allergiques à certains produits, vous pouvez dire toutes vos allergies, tout. Et vous avez vraiment un livre personnalisé. Donc vous perdez du poids avec des aliments que vous aimez. Genre moi, la laitue, j'aime trop. Les concombres, j'aime trop. Le poulet blanc, j'aime trop. La laitue, j'aime trop. Ça, c'est par exemple au jour 3. Et en fait, il y a plein d'idées repas. Et jusqu'au 28e jour... Bonjour, vous avez aussi des exercices pour faire du sport. Donc attendez que je vous trouve ça. Donc vous avez vraiment le temps et tout, plein d'exercices, tout ce que vous devez faire. Et vous perdez du poids au bout du 28e jour. Donc franchement c'est un livre trop trop bien. Il est vraiment pour vous. Mais vraiment pour vous. Vous avez votre prénom à l'arrière, devant, vraiment ce que vous aimez. Et j'aime trop. Vous avez bien évidemment un code promo. Donc vous avez 10%. D'accord, avec mon code promo qui est Keshia. Donc les filles, franchement, profitez. Parce que franchement, ça vaut vraiment le coup, je vous jure. Que le livre, il est vraiment bien. C'est pas des blabla, c'est un gros livre vraiment qui vous explique bien. Vous avez vraiment des sommaires, etc. Comment perdre votre poids, comment être, plein d'astuces. Et c'est vraiment trop bien. Moi, je suis fan du livre. Je trouve que c'est une trop trop bonne idée. Donc j'ai plus qu'à commencer. Et donc voilà. Je précise aussi que sur le site, pour l'offre d'été, il y a aussi plein de réductions. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 50% avec encore mon code promo Keshia. Donc franchement les filles, profitez, 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 profitez. Donc voilà, je ferme la parenthèse et on commence tout de suite avec la vidéo. Alors les filles, on va commencer vraiment avec les aliments que j'aime pas. Et on va commencer par le salé. Plein de trucs en ça. En fait, à la fois je suis une fille qui mange tout, mais à la fois je suis une fille qui mange rien. Je mange pas de piment, c'est impossible, ça ne passe pas. Je ne mange pas de viande rouge, ça ne passe pas, ça ne passera jamais. Je mange que du poulet, de la volaille, des trucs comme ça. Des trucs voilà. Sinon, steak haché, c'est pas possible. Ma mère, elle m'achète des steaks hachés spéciales, vous savez, qui ont le goût de l'oignon, etc. Pour pas que je sente trop le goût de la viande. Genre ça, ça passe pas. Les légumes verts, je n'en mange. Enfin, les légumes, je mange, j'aime trop les légumes, sauf toutes sortes d'haricots. Petits pois, lentilles. Je vous jure, là, j'en ai pris. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. C'est un truc qui ne passe pas. Donc le premier aliment que je vais goûter pour voir si mes trucs ils aiment bien, c'est les haricots rouges. Donc je les ai faits. Ils sont là. J'ai goûté les haricots rouges. Seigneur. Ouh. Franchement, je peux pas. Je suis obligée de goûter comme ça. Je peux même pas prendre une cuillère parce que c'est ma faute. Genre, vous mangez vraiment ça? Dites-moi en commentaire, vous mangez vraiment ça? Oh. Oh non! Non, je suis désolée, c'est dégueulasse. Je suis désolée, c'est dégueulasse. Oh. Ah non, franchement, haricot rouge, ça ne passera jamais, je crois. Ça fait des années que j'en ai pas. Ah non, je peux pas. Ensuite,
Ensuite, toujours dans la gamme des haricots que je n'arrive pas à me becter, les petits pois et les carottes. Alors, autant les carottes, j'aime trop. Mais les petits pois. Eh, mais si je vous explique ma vie avec les petits pois, ma mère, elle m'en disait quand j'étais petite, elle me laissait de midi jusqu'à 16h. Je devais finir mon plat. Elle me laissait pas partir tant que j'avais pas fini mon plat de petits pois. C'était ma phobie. Je finissais par vomir. Genre, c'était horrible. Je suis traumatisée. Donc, ça, si vous mangez ça, on est où là? Je comprends pas. Qui mange ça, sérieux? Qui mange ça? On va voir. Là, les petits pois, je dis la vérité, hein, ça fait peut-être. Depuis, ça fait peut-être 10 ans que j'en ai pas mangé. Donc, on va voir. Mais le vrai 10 ans, hein, j'en mange jamais. On va voir si j'aime vraiment pas. Les carottes, j'aime bien, mais c'est vraiment les petits pois. Donnez. Ah. Moi, ça me rappelle quand j'étais. Oh! C'est dégueulasse! Non, sérieux? Ah, je peux pas. Vous voyez, si un jour on me met dans le désert et genre j'ai que ça à manger, je crois que je vais vomir. Je vais mourir parce que je peux pas manger. C'est par-dessus moi, je ne peux pas. Je. Les gars, on va s'hydrater. Parce que j'en peux plus. Et on va s'hydrater avec du Perrier. Je déteste l'eau gazeuse. Mais tout le monde en boit. Mais je sais pas pourquoi moi je bois pas ça. Je déteste. Donc. À la vôtre. Purée. Ah, c'est vraiment une boisson genre. Genre, c'est pour les matures, genre. Genre, c'est pour les darons. Pour moi, c'est une boisson de darons. Ça va. En fait, ça va. En fait, c'est parce que j'ai grandi, je crois. Je vous jure que ça va. Je pourrais en boire. Genre, bien frais, parce qu'elle est pas fraîche, mais bien frais, ça passe crème. J'aime bien. Bon, donc, prochain produit, c'est haricot vert. Eh, franchement. Non, expliquez-moi, s'il vous plaît. Expliquez-moi, ça apparaît, hein, c'est mes phobies. Genre. Non. Non. Bah non. Ah. Bon. Oh. Je crois que c'est le pire même, haricot vert. Je peux pas. Je peux pas. Après, nous avons. Donc. Ouh. L'avocat. Alors. Tout le monde dit que c'est bon, mais moi j'ai un problème. J'arrive à manger, vous savez, les sauces vertes et tout, dans les grecs ça passe, dans les fast food, genre pour les brés, ça passe. Genre, tu sais, l'avocat, en fait, l'avocat, comme ça, je peux pas. Genre, le chicken avocado, vous voyez, le guacamole, tout ça, je peux, mais l'avocat en lui-même, je n'y arrive pas. Donc là, je vais goûter. Bon, attendez, parce qu'elle est un peu pourrite, donc je vais prendre que la partie qui est pas pourrite là. Et je vais vraiment savoir si. Même ça pue. Non. Ah non. Ah. C'est fade. Ah. Ça n'a pas le même goût que le guacamole et tout. Oh, je peux pas. Ah, j'arrive pas. Ah. J'ai l'avocat. Oh. Et je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent, mais moi, j'arrive pas. Ah non, non, non. Et comment vous faites pour manger des trucs comme ça, sérieux? Truc suivant. Des asperges blanches. Elle ouvre les trucs. Je sais pas comment on fait pour ouvrir. Oh non, j'ai pas de force, les gars. Non, j'y arrive pas. Attendez. Attendez, j'ai enlevé l'air. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouh. C'est bon, j'en. Vous savez, quand il y avait ça à la cantine, je pouvais mourir. Hein. Ah. Ah non. Ça va?
C'est pas bon. Mais en fait c'est pas bon mais c'est pas dégueulasse. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Ah non, je pensais que c'était. C'est pas bon, non. Oh non, c'est pas bon. Enfin, je sais pas. On passe au sucré. Non, sérieux. Non, on s'aime bien. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Genre, la personne qui a créé ça, dans quel but? Genre, par rapport à quoi? Pourquoi? Pourquoi? Genre. Et elle... Genre là, c'est goût, fraise, chocolat. Par rapport à quoi? Genre, c'est moi le gâteau. Le gâteau de vieux, genre. Genre, c'est mon grand-père, il mange ça. C'est fade. En fait, la meuf elle critique mais elle mange tout. En fait c'est pas bon. D'ailleurs comme là j'ai de la dalle, je mange. Mais c'est pas bon. Pour les vieux en fait. Alors, c'est vraiment un gâteau de vieux. Parce que moi tu manges ça à 50 ans, genre tu manges ça à partir de 50 ans genre. Je sais pas si tu captes avec ton café, tu vois c'est les gens qui boivent du café et toutes ces conneries, bah c'est sûr, ceux qui aiment le café vous aimez ça c'est sûr. Ah non. Alors là j'ai pris ça, je vous explique. Moi j'aimais trop les cookies, mais les cookies moelleux. Ma daronne, à chaque fois je disais maman achète-moi des cookies, elle m'a acheté cette marque Eco Plus avec ses cookies. À dire que je suis traumatisée, ça goûte du pétrole s'il te plaît. Quand je les vois, je peux pas. Ah je peux pas. Des cookies durs, je peux te passer une dent. Oh non, c'est pas possible. Voilà. Attends, je crois que c'est bon. Ah bah vous savez quoi? La perle c'est archi bon, c'est bon ou pas? C'est bon? Je m'excuse maman carrément. Peut-être que aujourd'hui la recette aussi hein. Parce qu'avant c'était du pétrole hein. Là on sent bien le goût de chocolat, là, c'est bon, j'aime bien. C'est juste que ça aurait été, genre, tu vois, ça aurait été moelleux. Genre, encore pire. Mais là, c'est quand. C'est bon. Oh, c'est bon. Quand je vais finir, genre, la boîte, là, je vais la finir, je pense. On va se garder le gosier. Il nous reste deux poissons. Là, on va finir. On reste. Chope tonique et du jus de pamplemousse. Et étant donné que je suis dans le gazeux, je vais finir avec le gazeux, je finirai avec la plate. Mais chope tonique, sérieusement, qui boit ça? Et dans les mariages, quand je vois ça, je vois les gens ils boivent ça, je me dis mais vous aimez l'essence, hein. Vous aimez souffrir. Hein. Comment tu peux aimer le goût de, ça a le goût de l'essence, wesh? Ça se voit même qu'à la bouteille, c'est même pas bon. Genre quand tu as la bouteille comme ça se voit, c'est pas bon. Ah non, non, non. Oh. Ah, ça décoiffe. Oh. Eh? La tête de la mer, c'est pas mauvais. Attendez. La tête de la mer, c'est pas mauvais. En fait, il y a un petit goût derrière, c'est pas bon. Mais je vous jure, c'est... Je vous jure que ça va. Ça va, je pourrais finir en fait. Ah pardon. En fait, c'est le arrière-goût qui est bizarre. Comme moi, je vous jure, goûtez des... Et faites cette vidéo, goûtez. Enfin, vous faites-le, achetez des trucs que vous n'aimez pas. Goûtez des aliments que vous n'aimez pas quand vous étiez petit. Et quand vous avez grandi, je vous jure que des fois, c'est différent. Parce que là, je suis stupéfait de certaines choses. Hein. Pamplemousse, ma mère, elle achetait ça tout le temps avant. Et moi, pour moi, c'est tout le temps du jus de fruits. Là, je goûtais et dès que je goûtais, ça m'arrachait la bouche. Genre, c'était dégueulasse, c'était amer. Genre, j'aime bien le pamplemousse quand le fruit, quand tu mets un peu de sucre à la cantine, c'est vachement bon. Mais le jus, j'ai du mal. Hein. Ma mère, elle aime trop boire ça le matin, mais je comprends pas. Donc, on va goûter. Peut-être que j'ai changé, peut-être que j'ai grandi aussi. Même l'odeur, c'est pas bon.
Non. Alors, pas du tout, ça passe pas. Non, non, c'est dégueulasse. Qui boit ça? Eh, dites-moi en commentaire, vous, parmi ce que j'ai mangé, ce que vous aimez, genre. Est-ce que vous détestez, genre, si vous aimez pas les trucs comme moi, dites-le moi. Ce que vous aimez, que je mange, dites-le moi, je veux savoir parce que... Franchement, c'est... Là, j'ai vraiment goûté ce que... J'aime pas. Si vous voulez voir une partie avec ma soeur, etc., vous me dites en commentaire. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas que sur le site, pour celles qui veulent le livre Beyond Body, vous avez 10% avec le code Keshia et vous pouvez aller. Enfin, et sur le site, il y a jusqu'à moins 50%. Donc, profitez, franchement, ça vaut grave le coup d'avoir un livre personnalisé. Et donc, voilà. Donc, concernant la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, kissons!